Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. J'espère que la qualité vidéo sera correcte puisque mon enregistreur que j'utilise depuis des mois ne fonctionne pas en ce moment. C'est très saccadé, il y a des problèmes, tout ça. Donc là, j'enregistre pour la première fois avec OBS. Donc j'espère que la qualité passera. En même temps, c'est soit ça, soit je n'enregistre rien. Donc ce serait un peu embêtant. Allez, on est parti, sachant que j'avais déjà essayé de faire l'enregistrement de cet épisode avec mon enregistreur normal, mais j'ai abandonné parce qu'en fait il a enregistré que dalle, donc cette fois-ci on croise les doigts. Alors, nous avons deux missions et je vais vous prendre la mission de Aneta Potoka, un jardin inondé. L'inondation a complètement détruit notre jardin. Les enfants étaient très touchés par cette situation. Nous voulons leur donner quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant. Nous avons pensé que tous les enfants aimaient les feux de camp. Je pensais qu'elle allait dire les feux d'artifice. J'ai trop regardé Stranger Things. Pourriez-vous l'arranger afin ce soit agréable et en toute sécurité? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous occuper de votre petit jardin. Qui a évidemment plein de caca partout et on va devoir déblayer à la pelle. J'adore. Et ça y est, nous voilà à la maison. Incriminés. Pleine de saleté et des arbres, on dirait des arbres malades. La hache n'est pas encore disponible, très bien. C'est-à-dire, vous touchez pas à nos arbres. On va faire le tour rapide. Donc, vous avez des bordels partout, hein, des caisses, des déblayages, des bouts de briques, tout ça, des ordures. On a c'est vraiment sale hein, ici. C'est très très sale. Hein. Ah ouais. Ça n'a pas été cool l'inondation et j'espère que je vais pas devoir me taper tout le gazon parce que refaire tout le gazon ici ça va me gaver. Hein. Non, il va falloir des dalles de béton ici. Très bien. Cela, j'ai pas la foi, je vous le dis directement. C'est quoi ça? C'est des ordures? Ah oui, c'est des trucs noirs, c'est des petites ordures. Ah oui, ils sont là, les petites ordures. Bon, j'ai enlevé une ordure, j'ai eu le jeu qui a quasiment planté. Et c'est encore la même chose. C'est l'angoisse absolue de tourner une vidéo. Parce que si déjà mon jeu il réagit plus, ah là ça y est ça fonctionne. Mais si j'y manque de planter juste parce que je fais un clic, on n'est pas à l'abri du bordel. Hein. Oh non mais quelle horreur, mais c'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe sur mon PC ces derniers jours, mais c'est de pire en pire. Hein. Je sais pas. Là, je sais pas si j'ai un problème de PC, si c'est les jeux, je sais pas, disque dur aussi peut-être. C'est une horreur complète. Vous imaginez même pas. Je peux rien faire. Je dois plus attendre qu'autre chose. Enfin, je sais même pas si cet épisode verra quand même le jour, dans quelles circonstances. S'il sera pas blindé, pété, parce que entre mon enregistrement et le jeu en lui-même qui plante, oh my god, quoi. Enfin, voilà, je fais un clic, ça rame. Vous voyez sûrement saccadé, mais je n'y peux strictement rien. Je subis plus qu'autre chose. J'en peux plus, quoi. J'ai un PC qui est normalement gaming. J'ai l'impression que là, je suis retournée en arrière de 10 ans d'un seul coup, en quelques jours. Ça allait très bien. Le dernier épisode que j'ai fait d'House Flipper, ça marchait nickel. Ah, ça marche plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est pareil pour les Sims. C'est pareil pour Crooks. Tous les jeux auxquels je jouais sans aucun problème, ben là, j'ai plein de problèmes. Je ne sais pas quoi faire. C'est soit les jeux qui plantent, qui rament, c'est pas possible, soit c'est l'enregistreur qui est complètement planté. Je suis complètement... je ne sais pas quoi faire. En fait, j'attends une révélation, je ne sais pas ce que... Voilà. Ah sinon, je croyais qu'il y avait une ordure, mais non. Je vais enlever tout ce qui traîne. Ensuite, on va commencer à nettoyer. Parce que là, apparemment, le jeu, il a envie que je fasse quelque chose. Donc, on va en profiter avant que ça replante. Quel bonheur. Franchement, là, je me suis vue en disant, bon, bah, désolé, il n'y aura plus jamais de vidéo sur ma chaîne parce que le PC est mort. Qui sait, peut-être pour la semaine prochaine, on verra. Alors, le lavage de la terrasse, c'est au jet d'eau.
Enfin, si j'arrive à voir quelque chose de ce que je fais, parce que là, j'entendais le bruit, je voyais rien, parce que c'était en frise. Bah oui, bah, quand je vous ai dit que c'était la merde. Peut-être que vous le verrez, vous, peut-être que je verrai au montage que ça fait comme ça. J'en sais rien. C'est l'angoisse, quoi. Faut vraiment que je m'occupe de ce souci, sauf que, ben. Je sais pas comment chercher le problème, en fait. Par où le prendre pour le régler. Donc, ben. C'est embêtant. Comme je ne sais pas d'où vient le problème, je ne sais pas comment le régler. Sinon, ben, je changerai de PC, hein. Vous imaginez, ça fait 1 an et demi que je l'ai, celui-là. Il est vieux. Il est très, 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 très vieux. Non, c'est une blague, hein. Il y en a qui ont des moins bons PC que le mien, mais ils ont peut-être pas autant de soucis. Alors, on va jeter la dernière canette qui reste. Ici, j'ai rien à faire? Ah oui, non, d'accord. C'est ici que j'ai rien à faire. Non, ici, il faut des sauges. Je sais pas. Alors, parce que pour tout vous dire, cette mission, j'avais tenté de l'enregistrer avec mon autre enregistreur qui a complètement planté. Et que c'était en gros, c'était tellement saccadé, en gros, il enregistrait 1 seconde sur 5. Donc ça a été très compliqué. Sur un condensé de 20 secondes, moi j'avais fait plusieurs minutes. C'était incompréhensible. Bien sûr, l'image, elle ne suivait pas. Donc ici, je dois mettre de l'herbe. Donc je le sais que je dois mettre de l'herbe. J'avais pas fait grand-chose de la mission, mais j'avais fait quand même quelques petites choses. Et là, j'espère que quand même ça fonctionnera. Non, si je vais mettre l'autre là. Le grand. Un achat multiple. Hop. Bah, il fait coup aussi la dernière fois. Il veut pas que j'installe tout ça. Donc je vais devoir faire les deux premiers avant. Oui, c'est ça. Oh, j'en aurais mis sur les dalles. C'est pas grave. Franchement, je suis plus à ça près. Voilà. Au moins, on pourra pas dire que j'ai pas marchandé, j'ai pas lésiné avec la qualité du gazon, parce que j'en aurais mis vraiment partout, hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est une aire de gazon parfaite, hein. Vous voyez, il n'y a plus rien d'écrit parce que j'ai. Tous les millimètres de gazon ont été remplis. Ce qui est une bonne nouvelle. Ici, nous devons planter 5 sauges. Alors, on va partir sur la sauge. La sauge. Que perso, moi, j'aurais dit que c'était de la lavande. Mais, hein, si le jeu me dit que c'est de la sauge, eh bien, c'est de la sauge. Et 1. Je vais aller de l'autre côté. Et 2. Et 3, 0. Lol. 3. 4 et 5. Voilà, madame. Vous êtes contente? Est-ce que c'est aligné? Ce n'est pas aligné, je ne sais point. Presque. En même temps, si je mets trop près du bord, quand on marche, on va se les bouffer dans les pieds, c'est chiant. Ok, ça c'est fait. Ici, il n'y a rien. Ici. Répandre de l'herbe au rouleau dans la zone et enlever le tas de gravats. Eh oui, je suis ravie. On va enlever déjà ça. Parce que ça va être long. En plus, si le PC il me montre qu'une image sur 15, forcément, vous allez vachement vivre l'expérience. J'ai déjà assez peu, comment dire, passionnant. Donc, en plus, rien. Oh putain, mais ces ralentissements. Je sais pas d'où ils viennent, mais ça tendance vraiment à me gaver là. Alors, il y a tout dans le vif. Ce qui, je suis ravie, c'est mettre de l'herbe dans tout ça. Et ici, il va falloir mettre de l'herbe aussi. Alors, attendez, c'est celle-là plus celle-ci. Et celle-ci. Donc, il y a le petit carré là, il n'en faut pas. Bon, bah, je vais en mettre quand même, hein. Ouais, allons-y, allons-o, comme dirait l'autre, hein. Alors, grand gazon.
Un chat multiple. Alors, ça va être impressionnant, moi je vous le dis. Le métage de gazon, plus voilà, il va pas vouloir que je colle. Ouh, ça va m'énerver, ça aussi. Puis maintenant, il veut plus que je passe à travers. Merci. Ouais, d'accord, j'ai compris. Je vais mettre ici. Ok. Ok, alors là. Là, il veut pas. Il veut plus non plus qu'on les colle. Ça m'énerve! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, maintenant ici, il faut que je le mette aussi, Coco. Coco, la lune. Ici, il y a la végétation, là. Je vais le mettre là. On va commencer à déjà dérouler tout ça, tout notre attirail. Tu sens, je pense que lui, il va pas aller loin. Voilà, parce que. Il y a l'arbre qui est ici, bien sûr, juste pour me casser les mouillettes. Je sais pas où je dois aller. Jusque celui-là. J'ai l'impression que c'est tout le long. Mais écoutez, on ira jusqu'au bout, parce que je le là jusqu'où je peux aller faire. C'est-à-dire jusqu'au tas de gravats. Et si c'est pas bien, et ben tant pis, ce sera fait quand même. Et puis voilà! Enlever les mauvaises herbes. Ok. Bon, je vais enlever les gravats, comme ça ce sera fait. J'ai envie de dire. Mais allez! Ok. Toujours avec la pelle magique, hein, parce que bon. On voit où il prend, mais on sait pas où il met tout ça. Peut-être qu'il le mange, mon perso, hein. Peut-être qu'il mange les gravats, qu'il se nourrit de gravats. C'est pas, hein, ça peut être un nouveau régime, hein, le régime du futur. Comme ça, il y a tout ce. Rien ne se perd, tout se crée, vous voyez? Ce serait magique. Allez, on a presque fini. Et voilà. Ok. Donc il va falloir. Pourquoi c'est pas droit? Mais ils ont fumé la moquette quand ils ont. Ah non, c'est quand même droit. C'est parce qu'on dirait pas. Ça a mal été codé là-bas au bout. Mais ça faisait pas très droit alors que bon. Normalement, ça devrait l'être. Là, je vais pouvoir remettre par-dessus la terrasse aussi. Français. Ah non. Je sais pas, ouais, je peux pas. On va répandre celle-ci. C'est la passion, hein. La passion du gazon. Oh, vous savez, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Sinon, là, je vais être bloqué par les feuilles. Presque au bout. C'est magnifiquement affreux. Mais bon, que voulez-vous, je n'ai pas le choix. Ça va être tellement long de faire de la pelouse là partout. Pourquoi tant de haine? Heureusement la sauge elle me bloque pas parce que sinon je serais dans le caca. Ok. Donc on voit bien ici que nous avons rempli. Ah bah de toute façon ici c'était pas demandé. Donc ici on est à 76%. Donc je vais ressortir des rouleaux. Les rouleaux magiques. Attendez, je vais déjà peut-être combler les trous. Je vais en mettre un grand ici, hein, soyons fous. Hop. C'est bon, Germain, hein, tu vas pas commencer. Ici, je vais en mettre un autre. Là, par-dessus. Obligé de le mettre après. Celui-ci, je vais le mettre là. Je vais essayer d'écarter. Des gros écarts pour dire de au moins si je rajoute un truc de grand format, ce soit pas pour rien quoi. Voilà. Bon, j'ai pas trop le choix. Je vais le mettre là.
On va gazonner. Eh ben oui, ben je m'en doutais qu'il allait. Oh, puis en plus le jeu il plante. Allez, on s'occupe de celui-là. C'est quand même pas hyper bien codé au final, hein, parce qu'on peut pas aller par-dessus les dalles, mais on peut pas. Quand il y a une branche, on peut pas l'éviter. C'est un peu con. Oui, j'aurais été jusqu'au bout sur celui-là. Magnifique! Regardez, puis en plus il y a un petit bout qui est en trou comme ça. Voilà, hein, c'est l'amour. T'as le droit de taper une sieste hein, pendant ce temps-là. Ok. Avec toujours un petit trou parce que c'est trop bien. Hein. Faisons des trous grâce à la pelouse. C'est une pelouse striée, vous savez, un rayé, c'est comme ça. C'est la nouvelle forme de pelouse. Vous mettez que de temps en temps, vous laissez des espaces entre les deux, et puis avec un peu de chance, eh bien ça ira coloniser les bandes nues, et vous aurez un. Ce sera encore plus beau et plus original. C'est sûr que vous n'aurez pas le même gazon que votre voisin. Magnifique, hein? Là, on est d'accord. C'est superbe. C'est superbe. Et j'en étais là-bas avec celui-ci. J'étais dans les branches. Bon, celui-là, il devrait aller au bout, hein, fast-il, hein. Fast-il! Ouais! Wouh! Super! On va continuer dans les rouleaux. Le normal. On va installer quelques normaux comme ça. Hop! Pour combler les trous, hein, bien sûr. Vous imaginez bien que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ici, on a besoin d'un truc qui fait tout le long. Donc on va le mettre là. On va en mettre un. Oh, j'aurais pu mettre les petits, hein, mais. Ouais, comme mon bonhomme, il est là. Eh ben, il est emmerdé. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, en même temps? Tu vois pas que je suis en train de mettre du gazon? Oh là là, le gazon! On va regarder celui-là, il va être nickel. Pile poil la taille qu'il me faut. Ou pas, hein. Celui-ci, il sera trop petit. Et là-bas, j'ai de la place aussi pour en mettre un. Ok, bon. Ça en fait. Je vais faire celui-là. Oui, eux. D'accord, il veut pas. C'est bien, j'aime beaucoup. Voilà. Aïe, 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 aïe. En ce moment, c'est la merde pour jouer. Je suis ravie. Il était plus loin que ça, lui? Pourquoi? Ah, il y avait le tas de gravats, mais oui. Mais c'est bien sûr. Voilà. Hop. Ça, c'est bien. On va te faire toi, parce que toi, tu vas aller loin. Tu vas aller loin, mon fils. J'ai pas grand chose à vous dire, hein. J'espère qu'il fera pas trop chaud quand vous regarderez cet épisode. C'est l'été en même temps, on va dire, mais bon, l'été, moi, je tolère jusque 30 degrés, après c'est trop quoi. Après, non, c'est trop, et à un moment donné. Voilà. Hein. Donc je vous espère un été beau et chaud, mais pas trop chaud quoi. Hein, qu'on soit pas dans l'excès. Alors, on va faire les petits roulox maintenant. Enfin, les petits, ceux-ci, je veux dire. Et dites-moi si vous partez en vacances, où est-ce que vous partez? Vous savez, moi je vous ai déjà dit où je partais, donc. Où j'étais partie, du moins. Et puis voilà, j'en suis revenue. Maintenant, moi, les vacances, ben, ça n'existe plus. Bah si, je vais peut-être partir quelques jours en campagne chez ma sœur pour le mois d'août. Mais je n'ai pas encore pris mes billets de train. Donc pour l'instant. C'est un projet, elle est d'accord, tout ça. Faut juste que je regarde les billets de train, que je les achète. C'est très intéressant.
Et puis c'est quelques jours à la campagne, parce que moi la campagne, j'aime pas trop ça. Hein. C'est sympa les vaches et tout le bordel, mais bon. On s'ennuie vite quand même. Hop. Enfin, on s'ennuie vite. Disons que, ouais. Bon, au moins l'internet, hein, c'est déjà ça. Ok. Eh ben, on y est arrivé quand même à faire quelque chose de potable. Cette partie ici, elle est validée. Cette partie ici ne l'est pas parce qu'on a un superbe bout ici. Donc, bah, je vais racheter un gros rouleau. C'est ma vie. Grand. Je sais plus, moi. Alors, on va le mettre là. On va remettre un roulax ici. Faut bien qu'il soit sur les plates-bandes demandées. Et en dernier, ici. Voilà. Je suis dans la fougère. Et on s'occupera de ce qui reste à faire là-bas encore. Pour l'instant, on y va doucement. Ok. Alors, est-ce que du coup, vous me validez? Oui, c'est bon. Ici, c'est fait. Oh, moi, j'avance quand même, parce que sinon, je vais me stresser, quoi. Ça va pas. Ça va pas. Oh, ça, c'est long, là. On doit se taper toute la longueur du jardin. J'ai déjà mal au poignet. On va aller loin avec ça. Tu peux pas accélérer, Jean-Claude, là? Oh, j'aurais besoin d'un autre rouleau à côté. On n'a pas encore fini, mais ça avance. J'ai envie de dire tant mieux parce que. Voilà. On a encore un petit trou ici, hein. J'ai la flemme. Hop! Voyez, ça finalement c'est long à venir, mais ça fait joli, hein. On avait que de la terre et on finit avec un magnifique gazon qui n'est pas du tout maudit, non, non. C'est le gazon béni et. Oh, il y a un pissenlit là. Ah, j'ai eu très peur là. Je me voyais bloqué par le pissenlit. Ça, je l'ai enlevé, je l'ai éliminé du coup le pissenlit là. Le pissenlit qui fait ramer le PC, quoi, qui fait planter le jeu. Oh, celui-là, il est parti. Ok, et donc il reste ce bout-là à faire. Donc on va le faire. De toute façon, on n'a pas le choix si on veut regarder, faire la mission correctement. Voilà. Logiquement, c'est le dernier. Parce qu'à côté, c'est une terrasse qu'il faut faire. Croise les doigts. Ok! 168 mètres carrés. Bah oui, tranquille, hein, c'est la belle vie. Ici. Ah, il faut qu'on. D'accord. Ici, on va faire quoi? Planter. Des sauges, des papavers, nudicoles, ribes, chrysanthées, moum. J'ai pas envie. Ici. Ah, ça fait partie de ça. Oh, bah non. Ici. Il faut rien faire. Et ici, on va enlever les gravats. Les gravats, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Et si vous voulez en manger un bout, il suffit de pas avoir de goût. Ah oui. Il est moins gros celui-là, hein. On va vite avoir fait. Tant mieux parce que. Voilà, ça c'est le tas de gravats. Et regardez, maintenant il faut poser 29 dalles tête de chat. Des dalles de béton tête de chat. Deux arbres. Mais vous les planter les arbres, monsieur? Et donc, je vais faire des trucs, hein. Bon, je vais commencer par faire ça, là. Deux ribes. Alors, deux ribes. En espérant que je me plante pas. Bon, là, il n'y a qu'un seul rib, donc ça devrait aller. Ok. Ah bah, en vert, c'est bien. Ah, il y a des fleurs. Ah oui, j'avais vu tout vert, moi. J'avais pas. Bon, je vais mettre en blanc. Achat multiple. Oh, c'est gros, quand même. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un. Punaise! Alors. Je vous explique. Comme je vous ai dit, j'enregistre avec OBS. Et là, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui vient de. Enfin, tout simplement.
de s'abonner à ma chaîne, que je ne sais pas qui c'est parce que je suis pas du tout en live. Mais ça, je m'attendais pas à ça. Écoute, si un jour tu te vois, je sais pas s'il y aura une annonce et tout, peut-être, ça va être encore plus drôle. Mais ben merci pour ton abonnement, écoute. Ah, je m'attendais pas. Chrysanthémum. C'est vraiment lol quoi. Alors, chrysanthémum, ça. Ah, hihi, cookie, on va mettre une bleue. On va mettre une bleue là. Et on va en mettre une rose. Mince, bah, je l'ai déjà mis. On va la mettre là, du coup. Ah, il en faut 5! Oui, pardon. Bah écoutez, orange, on va en mettre 2. Orange, on va en mettre une là et une là. Et puis une rouge. Voilà. Rouge, on va la mettre là. Comme ça va faire un peu mix de fleurs, tout ça. Les deux ribes, c'est normal, je ne les ai pas encore plantées. Les sauges. Il faut 2 sauges. Pour l'instant, je les place. Et puis, ceux que je vais devoir planter pour de vrai, je le ferai à la fin. La sauge, je vais en mettre une ici et une là. Ok. Il nous reste les deux ribes et les pas pavés. Les pas pavés. Je ne sais pas ce que c'est. Pas pavés. Ah, c'est mignon. Je vais les mettre en jaune, c'est joli. Je vais mettre là où y a rien, donc là où il y a des trous. Excusez-moi, mais la plante, elle ne veut pas se mettre parce que j'y étais. Je suis coincée. Je suis coincée. Attendez. Je pense qu'on est bien. On a tout le parterre de fleurs. Peut-être bouger la sauge et la mettre là. Voilà. Et toi, je vais te planter du coup. Si le jeu veut bien, parce que bon. Trois trous quand même pour ce truc-là. Ah oui. Voilà. Le petit jet d'eau, hein. Ah là là. Ah, il y a un petit compteur maintenant pour. Il faut faire le jet d'eau pendant tant de temps. D'accord. Bah, écoutez. C'est peut-être pour ça, hein, s'ils rajoutent des trucs, moi ils me font planter après, hein. Allez, on va planter. Hop. Voilà, le petit parterre a été bien rempli. La plate-bande de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, ça! Faut pas exagérer non plus, hein. 12 mètres carrés. Non, j'aurais dit 3 mètres carrés, moi, c'est déjà bien, hein, mais là, 12, non. Ils ont un problème avec les valeurs. Hein, c'est un petit souci, là. Ok, c'est vachement mignon. Oh, c'est coloré, tout ça. On va s'attaquer ici. Donc, disposer les dalles de béton 10 x 50. 10... Alors, il faut les disposer 10 x 50, tête de chat 100 x 100. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Pardon, surface. C'est-à-dire qu'il y a deux motifs à placer. Dalle, tête de chat. Alors ça, ok. On va les garder exactement comme ça parce que c'est comme ça qu'elles sont ici. Mais pourquoi il en faut... je vois pas les 10 fois 50 en fait. On va faire comme ça. J'ai déjà merdoué. Hein. Puis là, j'ai mis un. Ah, oh là là. Oh, je m'énerve quand je fais comme ça. Je les ai pas bien placés là. Alors, attendez. Hein, je vais vous montrer. Comme ça, ce sera fait là. Là, j'avais bien mis la bande. Mais après, il voudra plus parce que oui, parce que l'autre, il est là, tout ça. En fait, il faut faire comme ça. Sur 29. Bah écoutez, on va continuer, hein. On est payé pour, hein. Hop. Je suis sûre, c'est pas. Il y aura la petite. Ouais, bah, il y aura la petite marge. Tant pis.
Là, je vais pas pouvoir la mettre parce qu'il y a des putains de plantes! Ça le sent que je suis zen ou pas aujourd'hui? Ah, mais ça fait. Oh, j'en ai marre. Là, franchement, je vais pas replacer, ça me gave. C'est chiant. Ils ont qu'à mieux coder leur truc. C'est soit ils mettent une marche, soit ils en mettent pas. Parce que là, ça me saoule en fait de replacer tout le merdier là. Oh, et là, j'ai encore fait un écart. Oh, ça me. Non mais franchement, c'est chiant en fait. Franchement, j'ai pas la foi là. Non, il y a encore un écart. Donc c'est-à-dire que j'ai déconné. Bah j'ai déconné ici, bah oui. Donc oui, tout ce que. Et du coup, je dois tout redécaler un à un. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas la foi. Ils ont pas à la faire la bande sur le bord là, ça est du vachement en erreur. Voilà, j'en ai mis 12. Parce que vous voyez, c'est quand même mignon quand c'est attaché et tout, et j'ai pas envie de. Voilà. On va pas passer notre temps à mettre au millimètre près. Alors, comme j'ai fait un écart sur l'autre, il faut que je fasse un écart là-dessus aussi. Hein, entre les. Voilà. Sinon, ça va, là, c'est pas joli. Hein. Les 10 fois, les 100 fois 50, je les mettrai sur le bord. Je sais pas trop. Là où il y a les plantes. Tant que ça compte, bah, je vais en mettre. Au moins pour couvrir la partie de la terre, quoi. Alors là, pareil, je laisse un petit écart. On est OK. Oui, je suis concentrée. Surtout quand le jeu frise l'image. Oui. La concentration, il faut qu'elle soit là. Eh, ben non. Ben non, j'ai merdé. Voilà, j'ai merdé sur deux. Ouais. Bizarrement, c'est celle pile où ça a frisé, hein. Quoi, est-ce que je me saoule? Vous voyez pas le temps que je perds à faire ça? Ah non, c'est très très bien le jeu, hein. Mais à ce niveau-là, c'est pas cool, quoi. Voilà. Je suis à 24 sur 29. Mais je sais pas s'il faut que je continue ou pas. En même temps, c'est à moi de faire mon jeu, hein. Parce qu'après, il faut encore placer des arbres et tout le merdier, donc c'est pour ça. Dalle de béton 10 fois, 100 fois 50. On va regarder. 10 fois 25. C'est ça. Mais. Dès que je les pose comment? Comme ça sur le bord? Ouais, on va essayer de faire un peu un truc comme ça sur le bord. C'est pas joli, hein. Je suis à 28. Il en manque une! Mais vous voulez que je mette laquelle? Parce que c'est moche! Je peux pas. Si je fais le bord là, à la limite, je peux faire le bord comme ça. Bon, de toute façon, ça va pas tomber juste au bout. Hein. Moi, je vous le dis direct. Je sais que le jeu, il a envie de m'emmerder. Surtout quand il freeze. Ok. Ok. Ça freeze. Voilà. Mais j'aimerais quand même voir ce que je fais, Jean-Marc. Donc là, j'en fais plus que demander, mais c'est au moins pour qu'il y ait un truc qui soit à peu près beau, quoi. Là, je les ai toutes collées. Je crois que je les ai pas collées. Oh là là. Voilà. En même temps, ça va pile avec la continuité des dalles. Et ici, je vais mettre tout collé. Olé, olé. Ah bah là, par contre, je l'ai mis carrément au-dessus. Donc ça va pas du tout. Il faut replacer. Et je vous avais dit que ça tomberait pas du tout juste. Pff,
Et on peut même pas... Ah si, faire comme ça. Bah non, parce que oui, je la mets au-dessus, je la mets pas en dessous. Bon bah... Voilà. Hein. Mais allez, vends-toi! Oh là là! Ah mais maintenant c'est en anglais. Ah d'accord, bah, ça bug complètement. Donc c'est pas beau, hein? Et bah, je l'avais dit, hein, que ça n'allait pas tomber nickel. Donc voilà la terrasse. C'est pas beau. Après, si j'avais fait l'écart, peut-être que... Mais là, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie de le refaire. Vous allez me dire, ah, mais elle est pas cool et tout. Non, mais j'en irai pour combien de temps, en fait? Ça me... Voilà. À un moment donné, je préfère avancer. Placer objet de banc avec coussin planchette. Arbre irrégulier, hauteur... Je vais faire les arbres. Je vais faire les arbres, je vais les mettre là. Alors, arbre irrégulier, hauteur 1,5 mètre. Arbre irrégulier hauteur. Bon, c'est ça. Ok. Oh, il y a des mecs, des petites fleurs. Je vais m'acheter celui-là. Et je vais en acheter un autre avec des fleurs. Oh, il y a aussi en jaune, en rouge et tout. Je vais prendre celui-là. Et je vais le mettre là. Arbuste à port étalé. Bah oui, comme d'habitude, quoi. Arbuste à port étalé, hauteur 1,5. Arbuste. Arbuste. À port étalé. 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 Hauteur 1,5. Oh bah super, je vais prendre celui-là. Paf! Bah, je sais pas où est son port étalé, mais il est... C'est un... Waouh! C'est un buisson, le bazar! Attendez, je vais le mettre là, comme ça il va cacher la partie moche. Regardez, c'est parfait! Ça va cacher la partie moche en terre et tout, ça fera plus naturel. Du coup, toi... Je vais te mettre peut-être un peu plus là. 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 Ce sera joli. Alors, irrégulier, arbuste à port arrondi, hauteur 1 mètre. Arbuste à port arrondi. Oh, c'est cute, il y a du rose et tout. Oh, j'aime bien cela. Tout sympa. Je vais prendre deux comme ça. Arbuste à port arrondi. Je t'en fous des ports arrondis, moi. On est bien? Allez, on va planter. Nous allons planter, planter, planter les arbustes à port arrondi étalés. Alors, mettre de la terre, s'il vous plaît. Il faut que je clique là. Waouh! Et il s'éclaircit quand on l'arrose. C'est magique. Et planter l'arbuste à port étalé. Planter l'arbuste à port étalé. Il n'y a pas besoin de creuser. Mais. Ah, d'accord. Exigeant, ce jeu est exigeant. Je n'ai pas assez d'exigence. Là. On voit rien. Elle est belle la fougère de près, hein? Hein, on est content. Hein, on est content, on a vu de la fougère. On va planter ici, on verra peut-être mieux ce qui se passe. Raf. Faut que je me rapproche, que j'ai la tête dans le trou pour creuser. Insérer la plante. Ouais, là, on a carrément la tête dans le tronc. C'est des fois il veut pas parce qu'on est trop loin, après on est trop près. On n'a pas encore fini, hein, parce qu'après il faut encore installer les. Mais on a fait le minimum, regardez la barre de progrès, elle est au minimum. Ça veut dire qu'on pourrait partir maintenant.
Vous savez que j'ai vu des gens, moi, sur YouTube, qui faisaient du House Flipper. Qui faisaient l'émission maison, justement, le minimum requis, quoi. C'est, ils ont atteint les 70%, ben je me barre. Puis ils font vraiment à l'arrache, hein, genre, besoin d'un meuble, bah ouais, ils ont pris le meuble, ils l'ont posé n'importe où. Il n'y a pas de truc artistique, vous voyez, enfin, de truc un peu joli. C'est le concept même du jeu, en fait, mais de faire de s'éclater à faire des trucs jolis, quoi. Et ben, ils en avaient rien à secouer. Arbuste à port arrondi, hauteur 1 mètre. Il m'en fallait 4. C'est lesquels déjà? C'est ceux-là? Oh là là, on est reparti. Feuillage caduc. Je sais même plus si c'était ça. Arbuste à port arrondi. Oh bah écoutez, je vais mettre. Ouais, c'était bien les petits là, comme ça. Je vais les mettre. Entre les deux. Mon cœur balance. Là, ça en fait un et l'autre, je vais le mettre là. Ça, on ne pourra pas accéder à l'autre partie du jardin. Tant mieux, comme ça, j'irai, je pourrai pas y travailler. Si, je crois que je peux faire le tour de l'autre côté. Chut, on dira que j'ai pas pu y aller, j'ai pas pu faire le travail. Ah bah non, mais madame, vous avez demandé de faire des plantes, quoi. Après, j'ai pas pu passer, hein. Hein, j'ai pas pu passer tout ça. Alors, c'est pas lourd, hein. C'est pas lourd, madame. Ok. Par contre, mon jet, il est tout petit, hein. Ah non, ça va. Ouh! Allez, c'est l'été, on s'arrose un peu. Ça faisait longtemps que je ne vous ai pas embêté avec ça. Alors, on va placer maintenant les choses. Bon, le jardin, il est comme ça. C'est mignon, ça passe. La nuit commence à tomber, donc j'ai intérêt à vite à avancer, sinon je n'arriverai jamais à faire la fin de la mission. Si je vais pas sur le bon terrain, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Placer l'objet foyer Vaillas. Foyer Vaillas. Donc, je vais taper juste Vaillas. Loisirs. Ah! Ouais, ou en azur. On va mettre ça. Et deux bancs avec coussin planchette. Des bancs avec coussin planchette. Banc. Banc. Avec coussin planchette. C'est ça. Ah, d'accord. Ok, très mignon. Ok. Peut-être que comme c'est noir, on va peut-être mettre noir. Mais j'ai mis du bleu, bien sûr, il n'y a pas le bleu. On va mettre comme ça, c'est très bien. Regardez, ça va faire mignon. Et on va en reprendre un. Parce que j'ai pas mis. Regardez-moi ça, c'est assez agréable, non? Le foyer, il n'est pas centré du tout. Attendez, je vais regarder si les trucs ne sont pas du tout l'un en face de l'autre. Ça, c'est pour faire des barbecues le soir ou comment ça se passe? C'est pas mal! C'est pas mal! Alors, il suffit d'aller où encore maintenant? Comment elle va la maison? Je pense que bon, la nuit commence à arriver dans le jeu. Je vais quand même aller voir. Je pense que comme j'ai pas fini. Il y a un petit trou ici. Parce qu'il y a une dernière parcelle à s'occuper. Non. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas mis les bons arbres encore? Oh, regardez les étoiles qui arrivent. Oh là là, j'ai la musique qui vrille. Je commence à me poser des questions. Si ça enregistre encore. Si j'ai pas à avoir un bug. Ici, c'est fait. Ah, mais j'ai oublié ici. Attendez, on va mettre la flashlight. Quand même. Cette mission est super longue, hein, ça, vraiment. C'était bien ici que j'avais oublié des choses. Alors, objet tente à 30. Une tente.
Une tente à 30. Non, attendez, à 30. Ah oui, mais si j'écris une tente comme Tati, je vais avoir du mal, moi. Ah, c'est mignon. Alors, je vais laisser marin comme ça. Ouais, c'est grand, sa mère. Attendez. Comme ça. Bon, avec coussin planchette. On va reprendre le même, hein. On va refaire le même. Bon. Avec coussin planchette. J'avais fait wenge wenge et gris. Allez, le jeu, s'il te plaît. Oh. J'avais fait celui-là, on va le prendre. J'avais fait Wenge? Ah ouais, j'avais fait Wenge. On va mettre le banc et coussin planchette là. Voilà. Le banc planchette. La table crose. Alors, le banc planchette. Putain, c'est pas possible ça. Ouais, je vais prendre Wenge Wenge. Acheter. C'est l'enfer là, j'entends la musique qui vrille dans mes oreilles. Je sens que ça fonctionne. Il y a un truc qui fonctionne pas, mais je ne sais pas ce que c'est. Table crose. Peut-être que je suis en train de parler un truc qui ne sortira jamais parce que il y aura un souci d'enregistrement. Vous savez à quel point j'ai de la chance en ce moment avec mon PC. Et banc crose. Et on arrive au bout. Alors, bon, crose. On va prendre du wengi. Ok, on va aller de l'autre côté. Et voilà. Oh là là, la musique. Ah, ça ne va pas du tout. En tout cas, toutes les tâches sont terminées, 100% du chantier, il fait nuit, moi je vais vite rentrer à la maison. Je vais donc terminer la mission, réaliser 100% du chantier, 17 545 euros, et oui, et on retourne à la baraque. Et me revoilà à ma maison, j'ai eu une peur bleue parce qu'en tant que ça était en train de charger, ça m'avait mis le gazon maudit quoi. Bon, et bien c'est sur ceci que je vais vous quitter, j'espère que l'enregistrement aura été correct et que je pourrai vous poster cette vidéo, sinon ben voilà. En attendant, je vous fais des très 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 gros bisous, merci d'avoir été là pour cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, à vous abonner et à regarder les petites pubs sur YouTube. Moi je rentre chez moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut les petits culs!